je vais vous parler de la bourrache. Son nom latin, Burago officinalis. La bourrache est une plante que vous pouvez avoir très facilement dans votre jardin, car elle se cultive très facilement en région tempérée. Ces petites fleurs bleues, qui attirent particulièrement les butineuses, vont à un moment se développer et puis former quantité de graines minuscules que l'on appelle des semences, qui vont servir à faire de l'huile essentielle de bourrache. Cette huile essentielle de bourrache est exceptionnelle pour la femme. Je parle de l'huile essentielle de bourrache systématiquement quand je parle d'une femme qui est dans sa période de ménopause, qui a des baisses hormonales, qui a la peau qui s'affaisse très légèrement, les cheveux qui se désépaississent très légèrement, la peau qui s'affine très légèrement. Et cette bourrache, donc, cette huile essentielle, cette huile végétale de bourrache, est particulièrement recommandée donc pour des femmes qui sont ménopausées, parce qu'elle nourrit particulièrement les fanères. À vous, des beaux cheveux, des beaux ongles, une belle peau. Mais il va falloir attendre les graines. Pour l'instant, nous n'avons que les fleurs. Eh bien, ces fleurs sont tout à fait délicieuses si vous les rajoutez dans votre salade. Ce sont des fleurs comestibles qui vont agrémenter vos compositions de salade estivale. Un excellent petit goût de concombre. Eh bien, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, on a suffisamment parlé de bourrache. À bientôt !